Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour un nouveau reportage, un reportage en vadrouille. Voilà, vous pouvez observer derrière moi le très beau visuel du Sandmesse Osaka édition 2023. Donc la chaîne Guitare continue son tour du monde sur le mois d'avril-mai des salons de guitare, puisqu'en avril j'étais au NAM. La semaine dernière, le week-end dernier, j'étais en Suisse à Montreux. Ce week-end au Japon, donc pour le Sandmesse, le reportage que vous êtes en train de regarder, et le week-end prochain, histoire de clôturer cette belle série, je serai en Italie à Padova pour le Guitar Show. Voilà, donc j'étais déjà venu ici en 2019, donc, et puis ben voilà, il y a eu, comme qui dirait, la fin du monde, et maintenant on est de retour ici et on est bien content. On commence donc la visite du salon. Vous venez de voir le stand de la chaîne guitare de The Guitar Channel qui est juste en bas de l'escalier à l'entrée du show. Et si c'était comme en 2019, il va y avoir trois grands halls, un hall électrique, un hall acoustique et un hall avec les magasins. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le Buyer's Day, donc il n'y a pas grand monde, il y a encore même des stands qui sont en train de s'installer. Mais ça ne va pas nous empêcher évidemment d'aller faire un tour. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.